Nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Il est 11h12. Vous êtes bien chez Soulivaneux. À que bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour TVSK, comment vas-tu? Comment allez-vous? Bienvenue, on reprend les stream dev après la petite semaine spéciale jeux vidéo. Malheureusement, je me suis battu avec GitLab qui m'a dit hey, ta licence open source, ça va expirer. J'ai strictement rien compris au process pour pouvoir le renouveler. Bref, j'ai dû refaire une demande pour dire oui, je fais tes projets open source, tout ça. Un enfer, j'ai perdu 3 quarts d'heure et c'est pas terminé, faut que j'attende encore un email. Donc, stream court, on est là jusque 13h, 13h30, donc un petit 2h. Je vais pas lancer sur des gros projets. On va faire la notif GitHub, on va déplacer tranquillement, discuter des sujets divers et variés, on verra bien où ça nous mène. Avant de tranquillement aller chez un copain, on reprendra les projets un peu plus sérieux dès demain. Je vais mal, c'est le retour du taf. Et oui, oui, c'est vrai, en plus de 7 ans, c'est le jour de la rentrée aussi. La rentrée scolaire, bon courage ceux qui reprennent les cours et bon courage ceux qui reprennent le taf. Ça va aller, DVSK, ça va aller. Vivement les prochaines vacances. Bon, est-ce que t'as quand même certains collègues, genre t'es content de revoir leur tête? Au moins. Ils vont me dire, non, je les déteste tous. Là, je vais être dans une situation de gênance extrême. Ça va, vous? Oui, ça va. Ouais, ouais. Bon, bref, voilà, toujours les... La fin des vacances, hein, c'est toujours chiant. Toujours chiant. Moi, pour le coup, ça va être cool. Ça va être un peu en décalé. J'ai déjà eu droit à une petite pause vacances il y a 2 semaines. Pour aujourd'hui, une amie sur Metz.
Une vraie vacance, ça sera fin septembre. On profite, tu vois. On a... on a nos propres comptes, Adam et moi, et on n'a pas d'enfants. Donc on en profite, tu vois. Genre, on attend que tous les gens rentrent au taf, et nous, on se casse. Tu vois le bon plan ou pas? C'est pas faux. C'est même vrai, hein. Eh bien, bonjour Steve Dev, comment vas-tu? Pam, 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 pam. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Merge quoi de Septenia. Ça joue aucun changement. Ok. Ça dégage. Je voulais pas unsubscribe, par contre, je vais juste marquer on done. Voilà. Comment va? Bah écoute, ça va. Pas totalement réveillé, puis je me suis battu avec, avec GitLab pour renouveler ma licence open source, et c'est pas terminé, j'ai perdu 1 heure, je suis heureux. Du coup, on s'est un stream court et tranquille, de deep pledge no deep, discussion quoi. Pas dormi, déjà fini la tonte du jardin, et on enchaîne la journée. Ah ouais, le mec il va tomber au jardin alors qu'il a pas dormi quoi. Aïe 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 aïe. Courage les devs, courage, courage. À quand les streams jardinage d'ailleurs, Steve Dev? Je suis encore grand bon, mais bon, ça servira pour les VOD. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est aussi sur notre ami Steve Dev, qui fait du stream de développement. À horaire. Horaire pas fixe. Je crois pas que t'aies de planning spécifique, hein, Steve Dev. Il y a plein de trucs fort sympathiques, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Personne très passionnée. Attendez, c'est quoi cette solution là? Parce que là on est sur SHFMT, donc il y a un linter SH. Je sais même pas si je l'ai implémenté d'ailleurs dans mon outil de recipe. Et le souci avec cet outil-là, c'est qu'il n'y a pas de manière de pouvoir exclure facilement des fichiers via un fichier gitignore ou shfmtignore. Ce qui a été close, pour quelle raison déjà? Voilà, en gros, il nous a dit, va te faire voir quoi. J'aurais essayé de lire de manière fluide les sous-titrages YouTube, peut-être, qu'un rapport avec les sous-titrages YouTube. Pas sûr de te suivre, Citev. Plus grand est-ce que je pensais ou j'ai pas la bonne approche. Et je vois pas le rapport. Sérieusement, hein, sans contrôle ou quoi que ce soit. Comment ça, les sous-titrages YouTube? Je bois du café en même temps. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. T'as une vidéo en anglais, les sous-titrages en FR, tu veux les lire en audio. Ok. Ah, c'est un autre projet que t'es en train de faire en live, c'est ça? C'est ça la connexion que j'avais pas? Et tu veux terminer ça avant de te lancer sur tout ce qui est live, live jardin? Je l'ai pas là, celui-ci, projet à part, en off, ok. Parce que c'est bien, qu'est-ce que j'ai compris? Et Amenesis! Amenesis! Comment va Amenesis? Là j'ai encore plein
plein de pseudos bleus là sur mon chat. Vous faites exprès, hein. Je vais vous confondre. Je vais finir par la Play 1, Amélie Def 116 et Steve D6. Steve D6, voilà. Je vais vous appeler comme ça. Comment il va, Amélie 6? Salut Guillaume! Comment il va, Guillaume? Non, je tiens au nom de l'équipe de Power Watch Simulator à m'excuser, Guillaume. Voilà, apparemment, il nous fallait une cible. C'est tombé sur toi. Il va très bien, je te remercie. Ça va bien aussi, Amélie, je te remercie. Petit stream assez court, est-ce que 13h? Et je crois qu'on prend pas ce... Ah ouais, non, mais c'était un bazar, t'es énervé, hein. On t'est énervé, c'est la faute à menu, de toute façon. Tout est la faute à menu. Le jeu, c'est la faute à menu. On est énervé, c'est la faute à menu. Puis voilà, t'as débarqué. Mauvais endroit, mauvais moment, ou plutôt bon endroit, meilleur moment, va savoir, hein, te dépend le point de vue, et... voilà. Ciblage automatique, c'était pour toi. Code washing, ouais, ça doit être ça. T'as décroché un moment, ouais, je peux comprendre. Après, je vais pas mentir, hein, on a fait un débrief après, ces jeux-là... Genre, Benuel propose des trucs pour le délire, j'ai dit oui, tu vois, mais clairement, en solo, je joue pas. Je peux comprendre que certains aiment faire ça, parce qu'il y a le côté satisfaisant de la chose, tout ça. Je suis pas le client, quoi, clairement, pas du tout. D'autres projets à finir en Live Jardin, Lab CV Backend, aussi Pro, j'ai repris un peu de code sur Worms. Ah, t'as encore terminé le projet Worms? Let's go. Et bonjour Demonix, comment vas-tu? T'es venu à toi. C'est un jeu pour discuter, quoi. Ouais, non, mais voilà. Voilà, franchement, c'est ce qu'on s'était dit, quoi. Franchement, à 4, on a passé... à 5, pardon. On a passé un très bon moment. Voilà, je pense que si j'avais fait un stream pour Power Simulator, j'aurais pu se passer du temps à lire le chat qu'autre chose. On se serait un peu fait chier au bout d'un moment, je crois. T'attends mon tour au coiffeur. Ça va faire du bien que le temps qu'on a en ce moment. Ah, ça va tout couper. Ah, j'avoue que la chaleur, les cheveux longs... c'est attaché et c'est chiant. La petite coupe de la rentrée du coup des Moulix. C'est septembre, on se fait beau, on se fait frais. Alors faut que je reprenne un peu tout là parce que... Une date ce sujet. Et bonsoir Septenia, comment vas-tu? Encore la rentrée pour toi Demolix. Juste fait trop chaud donc... Putain, c'est déjà septembre, c'est déprimant. Eh oui, ça passe très vite ça. Le 2 septembre 2024. Moi ça va, je suis pressé parce que fin septembre je repars en vacances. Et les vrais cette fois-ci. Ça va et vous? Ça va, je te remercie Septenia. Passé vite ce mois d'août. C'est sur une question de perception ça. Hein. Je pense que pour ceux qui ont bossé cet été, c'est pas passé aussi vite que pour vous. Alors, en tous les cas, ça passe très vite, hein, c'est sûr. Bam, bam, bam. Alors. Ah, donc MDV Dan qui avait dit ce serait bien qu'on pick back sur le point qui t'ignore. Ouais, donc là il explique qu'on peut jouer avec les commandes, c'est pas vraiment ce qu'on cherche.
Bah, j'avais visé début septembre, mais j'ai trop traîné. Et je suis en train de voir pour ouvrir ma micro-entreprise. Hein. Tu vas faire quoi comme activité dans ta micro-entreprise? Un petit comme ça, ça pourrait être pas mal. Ajouter un tiré tiré ignore paf et on spécifie le fichier point ignore à prendre en compte. Ça sera du dev, de la vente de code, service sas, etc. J'aimerais savoir comment je peux définir ça, je suis un peu paumé car il y a plein de codes métiers différents. Ouais, bon après, comment dire, ce que je comprends, je suis pas expert donc renseigne-toi quand même, hein. Mais quand tu crées ta micro-entreprise, en effet, ils te demandent un code métier spécifique, alors j'ai plus le mien en tête, hein, si je pourrais chercher pour te filer le mien, mais moi c'est en développement quoi, grosso modo. C'est juste histoire d'avoir une information, hein, clairement, sa société. Parce que là, tu vois, je suis mis au streaming. J'ai un peu d'entrée d'argent via ça, donc faut que je le déclare, forcément. Et j'ai quand même tenté le coup, j'ai contacté l'URSSAF en lui disant est-ce que je peux passer par mon statut d'auto-entrepreneur, sachant que c'est un statut d'auto-entrepreneur pour le développement, pour déclarer mes revenus Twitch. Ouais, pas de soucis, tu mets dans la même case, c'est bon. Alors, que techniquement, le métier, c'est pas développeur. Pour la partie Twitch, tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Oui, ah mais si, ouais, tout à fait. Du coup, je déclare les revenus sur la même feuille URSSAF auto-entrepreneur que mon métier de base, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est plus à titre informatif qu'autre chose, hein, le choix du métier. Hein. Ça, je mettrai aussi en second créateur de contenu pour live vidéo aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, renseigne-toi quand même à contacter ça comme pour moi. Hein, mais si tu veux, je t'enverrai les informations que moi j'ai eues. On peut faire ça par MP sur Discord. Mais te pile pas trop là-dessus, quoi. Surtout pour les stats de recherche. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Hein. Et salut, Axior. Merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. Merci pour ton Prime, mec. Comment tu vas? Tout ce qui définit ton activité principale, soit bien du code APO, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux bien ce PC gentil. Bah écoute, vas-y, envoie-moi un MP sur Discord et dès que j'aurai un peu de temps, je te garantis pas aujourd'hui, mais dès que j'ai un peu de temps, je t'envoie des infos. Ça va et toi, ça va, je te remercie. Je te remercie, petit stream assez court, là, jusque 13h, on est pinotif tranquille. J'ai commencé super tard parce que j'ai pris une demi-heure, trois quarts d'heure à me battre avec GitLab parce qu'ils me disent, je sais pas s'ils vont me mettre encore. Non, elle me met plus. Bon, en gros, ma licence open source, ça va expirer. Il n'y a pas de renouvellement auto. Et les gars, ils m'envoyaient un mail en disant « Bonjour, ça va expirer. Clique ici pour renouveler. » Tu arrives sur la page renouvellement, tu fais « Ok, renew. » Et là, ils demandent un code coupon. Et oui. C'est-à-dire. Donc, j'ai retourné tous mes mails pour essayer de retrouver ce fameux code coupon. Et en fait, non. Il fallait lire les petites lignes à la fin du mail qui fait 3 pages. Pour dire qu'en fait, si tu es en licence open source, ça ne se renouvelle pas automatiquement. Faut que tu refasses la demande. Et là, tu tombes sur un site, tu dois mettre tes informations, tu dois dire que oui, ton truc il est open source, spécifier le lien du groupe, la licence utilisée. Et ensuite, tu mets des captures d'écran, 3 captures d'écran. L'une qui montre ton projet avec la licence en question qui t'affichait. L'autre qui montre la licence, donc le contenu. Et une troisième qui montre des settings qui montre comme quoi tu mets bien le projet en public. C'est long et chiant. En plus stupide parce que du coup ils demandent ça pour un projet alors que moi c'est un groupe
que je mets en open source. Bref, c'était relou. Mais chier surtout pour le code APE, savoir de qui tu dépends, genre programme informatique, c'est libéral et le CIPAV. Ouais, voilà. Et voilà, si c'est ce qui me bloque, est-ce qu'il faut partir sur du libéral ou l'autre pour le développement? C'est quoi l'autre? Quand j'ai dit pas informatique à mon compte, j'étais en BIC, je crois. Après, mon statut, il date, hein. Mais en gros, c'était micro-entrepreneur et ses services. Ah merde, je me souviens plus le terme. Attends, j'essaie de retrouver ça. Ça. J'aime bien les PDF hein, sur les sites du gouvernement quand même. Hein. Attendez, je me mets en mode homme de seconde. Petit défi des infos qu'il faut pas. C'est la prestation BNC que je déclare. Tip Dev. Et moi, c'est un régime micro-entrepreneur avec versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Bon, libéral, oui, sera en BNC. Ouais, voilà, c'est ça. Et ce que j'avais demandé, j'ai la réponse de l'URSSAF elle-même. Hein. Pour les revenus de Twitch, tu peux les mettre sur la même case. En prestation BNC aussi. Libératoire, c'est juste pour les impôts. Ouais, c'est ça. À la fin, tu as une attestation fiscale sur l'année qui te dit en gros ce que tu dois déclarer. Tu copies-colles sur la bonne case. On t'affiche les impôts. Et on te reprend encore plus d'argent. J'ai raté vos messages. L'arsenal, pardon, c'est ça que je cherchais car j'étais la prestation de service, ok. Oh, plaisir, Amnesis. Tu payes tous les mois. Alors moi, c'est tous les trimestres, Guillaume. Après, c'est peut-être qu'il y a différentes formes, mais moi, quand j'écris mon statut, c'était tous les trimestres et ça l'est toujours. Et en gros, oui, ça... Alors, t'as deux choses, hein, du coup, hein, c'est que... Tous les trimestres, tu déclares ce que tu as gagné, ton chiffre d'affaires, grosso modo. Enfin, pas ton chiffre d'affaires, ce que tu as vraiment reçu, pour le coup. Je ne sais plus le terme exact, mais bref. Là, à ce moment-là, tu payes. C'est, je crois que ça a monté, d'ailleurs, non, c'est 23%, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est ce que tu payes à l'URSSAF. Et tous les ans, tu as une attestation fiscale avec une valeur. Et cette valeur-là, c'est ce que tu dois déclarer aux impôts sur le revenu. C'est trimestre, c'est vieux pour moi, entre 2011 et 2011. Moi, mon statut, je l'ai créé en... Bah, dans ces eaux-là, je crois. Hein. J'ai entré à Nexilan fin 2012. Ouais, ça devait être 2011-2012. C'est dans ces eaux-là, Guillaume.
J'ai choisi tous les trimestres la première fois, mais je pense que je partirai tous les mois, car truc con, mais ça fait des fiches de paie pour les banques et etc. Elles préfèrent. J'ai un rapport avec des banques. Fiches de paie, c'est des factures. Pour le coup, si tu veux, tu peux très bien facturer tous les mois et déclarer tous les trimestres, hein, en soi. Et celui de Blue Bill ? Comment il va le Bloob ? C'est ici le stream du matin. Ouh là là, il va commencer lui. Ouh, il va commencer à être saoulant. Il va commencer à être saoulant lui. Ouh là là. Je vais t'envoyer chez GitLab là, hein, pour qu'ils simplifient leur process de renouvellement de licence open source. Voilà. Puis comme ça, tu fais ça pour moi, je commencerai plus tôt. Oh, insupportable Bloob. À l'époque, j'avais besoin pour une voiture et ils m'ont fait chier avec ça. Ok. Les banques, quoi. Il va comme quelqu'un d'adulte qui a résolu un problème de facture avec son plombier. Et je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Je vais les ragots. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le scandale? On est tout oui, Blue Bill. Enfin, on est tout yeux ouverts. Enfin, t'as compris, quoi. Enfin, vas-y, raconte. Que j'ai le droit d'être loup si je balance des clips de Écoute, faut pas que tu puisses ternir ta réputation de grosse balance, Blue Bill. Donc vas-y, fais-toi plaisir, balance des clips. Tu sais, quand tu demandes tes trois dernières fiches de paie, que tu finis une feuille trimestrielle, ça les perturbe vite. Tu veux pas fournir les factures? Plutôt? Ça a pas de valeur, ça? En plus, t'es chez eux, enfin, je veux dire, l'argent des factures payées vont sur ta banque. Enfin, je veux dire, je sais pas, les gars, ils ont accès à ton listing, quoi, enfin... Pourquoi je suis énervé? Je suis d'accord, c'est un peu débile, ouais. J'avoue, là, j'ai un peu du mal à comprendre le délire aussi. Il va mettre editor config. Ah, pour la dance style, dance size, ok. Embêter le plombier Blue Bill. Non, mais attends, mais là, faut que Blue Bill y processe. Hein. Il a son aventure avec le plombier à raconter. Il a des clips de menu à balancer. Ça va arriver. Voilà, toi, voilà, l'histoire du plombier, c'est parti. Ma mère appelle le plombier samedi à la place de mon petit frère. Voilà, laissez-moi le temps exactement. C'est le matin aussi pour Blue Bill, ok. Ma mère appelle le plombier samedi à la place de mon petit frère qui voulait pas. Il est chiant. Ma mère se fait engueuler comme quoi facture en retard. Le petit frère veut toujours pas prendre ses responsabilités et appeler. J'appelle et pouf, plus de problème de facture à payer. C'est juste la nouvelle comptable qui a chi dans la colle. Ça m'a pris 3 secondes. Aïe, 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 aïe. Il a quel âge le petit frère là? Tu vis avec lui, c'est ça? Parce que vous vivez entre frères et sœurs, hein, c'est pas de bêtises. Hein. C'est beau. 21 ans, hey, il va falloir qu'il qu'il s'affronte à un moment. 21 ans, voilà. Hein. La vie active, monsieur. Bah, allez, petit clip de menu là pour se détendre un petit peu. Ça va faire du bing. Le son de Chrome. Touk. Ouais, l'ouvrir là, il faut pas. C'est relou. C'est bon, je l'ai. Ah, je l'ai.
Ah bon? Ah bon? C'est beau, franchement, c'est à ce niveau-là. Ah bon? C'est de l'art, je pense qu'il faut le refaire une deuxième fois pour égayer notre journée. Magnifique. Merci Blueville, merci pour ce moment. Évidemment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est notre ami Munu qui fait du jeu, du dev, du design, de l'art, plein de choses. Une femme pleine d'énergie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Attends, le téléphone, ça fait peur, surtout quand tu m'as bout du fil. Les services techniques au téléphone, les clients avaient pas le dernier mot avec moi quand c'était pas raisonnable. Il m'a débloqué encore, c'est vite dit, c'est le fait d'être à mon compte et de commencer à faire des appels pour dire aux gens qu'ils avaient tout perdu. Ça m'a l'impression d'être un chirurgien qui sortait du bloc avec une mauvaise nouvelle. Aide à se forger. J'ai gardé le blanc au début volontairement, je trouve que ça ajoute quelque chose. Elle est pas seule dans sa tête pendant ce moment. Je crois qu'elle est jamais seule dans sa tête. Mais en même temps, Steve Dev, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment seuls dans leur tête? Je suis pas sûr. Hein. De nouveau son pour être comme son Blooby, moi je dis. Elle achète ce matin, c'est goldé. Elle est encore en ligne là? Ah oui. C'est quoi comme petite voix dans votre tête? De mon côté, c'est un mini-moi qui me parle. Toi aussi, des fois, t'as des discussions avec toi-même? Ouais, ça m'arrive. En fait, c'est lundi confession, là, c'est ça? Souvent. J'ai envie d'embêter Munu, c'est grave. Docteur Bluebill. Non, c'est normal, ok. Du génie, ouais! Que de l'amusement, full d'amusement. Amusement, on vous dit. Amusement! Allez. Voilà. Ouais, ça c'est représentatif comme imitation du moteur. Oui, c'était pas sorcier. Hein. Suffisait que vous soyez moins bête. Ne vous inquiétez pas, la bêtise, ça soigne. Voilà. Alors. On disparaît. Wait for reactions. Ça va être soit goldé, soit complètement nul. C'est... Alors, comment Cazeneuve et Castet seraient heureux en même temps? Le bonheur de l'un ne fait-il pas le malheur de l'autre? L'oublie de l'enfoiré. Souli, on t'a fait une dédicace ici, hein. On t'a fait une dédicace et la dédicace qui est tombée, c'est le clip où tu me fais une dédicace et où je dis que mes viewers c'était des jeunes et du coup j'ai oui. Chez toi.
Du coup, en fait, j'ai mis un soutien pour toi. Et à travers ce soutien pour toi, j'ai insulté mes viewers pour gratuit. Ils n'avaient pas pris leur part aujourd'hui. Ils l'ont pris. Salut Harker, comment elle va, ce bébé? Ah, bébé! Regarde, meuf, je fais l'attraction de capitalisme. Tu as envie de monter là-dessus? C'est pour trouver un travail. On va la laisser tranquille quand même. Allez voir menu. Tu lèves en double. Bah oui, vu que j'étais sur le stream de menu et toi, tu étais certainement aussi sur le stream de menu, du coup, tu étais munifié. Munifié. Waouh, je suis fatigué. D'un coup, là. Waouh. Waouh. Compliqué la reprise. Donc, du coup, ce truc avec leader config, c'était implémenté. Ça va, tous les deux en même temps, ça passe, mais deux menus et un soulis, c'est beaucoup. Là, elle chante. Ah, attends, faut voir ça. Bon, on va la voir chanter. Attention, tu vas la revoir en double. J'ai raté ça. Dégoûté. Tu dégues. Je vais fermer l'onglet là-bas, j'enlève mon lurk. Nul. Reviens là. Imagine nous pauvres viewers l'autre soir, vous savez tous les trois. Plus Septenia, plus Lostan. Et vous avez vu à quel point Lostan il était sage. Je suis impressionné. Je connais depuis le lycée ce type. Hein. Le lycée, messieurs dames. J'ai 33 ans. Il y avait le Weston. Je ne l'ai jamais vu aussi calme sur un jeu vidéo, Blobby. Je suis choqué. T'as perturbé aussi, Amélicis. C'est dingue, hein. Wow, franchement, je savais qu'il kiffait les jeux de simulateur, mais je savais pas que ça lui provoquait une sérénité à ce point. On était là comme des cons à dire des conneries tous les 5 secondes. Lui nettoyait au Karcher. Comment ça de menu? Attends, c'est-à-dire Blobby a envoyé un clip de menu qui est un peu plus haut dans le chat où elle imite un bruit de voiture de manière spectaculaire. Du coup on a débarqué chez elle et puis on a imité un bruit de voiture dans le chat de manière moins spectaculaire. Voilà. Du coup ça fait un menuception et du coup Blobby il était pas bien parce que il entendait menu sur le stream de menu. Et il entendait Menu et moi sur mon stream qui était en train de regarder le stream de Menu. C'est bon, t'as mal au crâne ou ça va aller. Voilà, du coup, deux menus. Deux menus pour le prix d'une. Dinguerie. Ça, j'essaie de refaire mon site. Tu leur fais à zéro après que Blue Bill te l'ait démonté pièce par pièce. On a quand même une vie trépidante, je trouve, le lundi matin. T'as vu ça hein? Et une motivation. de Godin. Bon, très bien. Ça veut dire config, c'est cool. J'avais fait un PR, je me souviens même plus. À 2019 en même temps, j'ai dormi depuis. Hein. Bon,
J'aime bien le monsieur qui close mon PR en disant finalement on va utiliser le éditeur config. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez proposer une alternative dans ce thread. Bah mec, elle est là mon alternative en fait. Bon, revenons à nos boutons. Pas si évident, je vais croire. La tornade réfac mobile est passée sur ton site. Moi, je te réfacte tout ce que tu veux. Ouais, mais... Mobile, on n'a pas la même notion de réfacto, tu vois. Maintenant, quand je fais une réfacto, je vais prendre morceau par morceau, je vais faire des petites modifs, je fais des fonctions, supprimer les fonctions derrière, faire des petits PR. Toi, tu te prends le bulldozer Caterpillar. Du coup, tu étais plutôt RP par rapport à ton perso sur Rimworld, d'ailleurs. Tu vois le code comme ça, là. Tu écrases tout. Tu recommences. Et tu fais un PR avec 1500 fichiers modifiés. on n'a pas la même notion de refacto, Bluebeam. Quand tu seras la version 53 de ton site, ça te semblera plus clair. Tellement vrai, cette phrase. Tellement vrai. Quand tu n'auras plus rien à enlever aussi. Quand tu n'auras plus rien à enlever, là, il sera parfait. Ah, c'est peut-être, en plus, on fait la blague à ces citations, hein, mais rappelle-la toi, hein, pour le coup. Parce que moi, j'ai vu rapidement, j'étais passé chez Bluebeam pendant qu'il était en train de démonter ton site, enfin, faire un refacto de ton site, pardon. Et de ce que j'ai vu en diagonale, surtout que tu as ajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité pour des choses relativement simples. Au soir, c'est pas grave, commence par ça. Mais une fois que t'as terminé le truc et que t'as quelque chose de fonctionnel, tu te poses la question. Ok, est-ce que je peux faire ça de manière plus simple? Et là, tu commences à enlever tous les trucs. Facto, non, refonte, oui, oui, voilà, c'est ça. C'est le terme plus approprié chez Bluebeam. Par contre, en vrai, c'est nécessaire surtout pour comprendre la structuration CSS, ouais. Au fond, pour CPTA, il est plus... Mais CPTA, du coup, t'étais parti de rien pour faire le site que tu as présenté à Bluebeam? Bah là, j'enlève, mais du coup, ça n'est plus du tout comme il faut. Oui, alors que ça veut dire quand je dis enlever des trucs, c'est pas juste enlever pour enlever. Hein. Oui et non. Ah. Ah, j'aime pas quand ça commence par oui et non. T'arrives pas à faire du CSS, dans d'autres utilises Dreamweaver. Ouais, est-ce que c'est vraiment une solution à Menisys? Enfin, Dreamweaver ou autre, hein. Parce que bon, du coup, tu sais pas faire du CSS. Donc tu fais un site. Enfin, tu utilises un outil, pardon. Qui, grosso modo, va faire le CSS pour toi au clic. Du CSS pas forcément de qualité, en plus. Résultat, t'as un truc qui tient à peu près debout. Et t'as strictement rien appris au niveau du CSS. Ou alors apprendre le CSS. Là, pour le coup, je suis plus partisan de la phrase de Bluebeam. Hein. Le menu toggle, j'ai pris sur un modèle, du coup, je dois le réadapter. Et est-ce que tu as pris le temps pour ce menu toggle, par exemple, c'est-à-dire de comprendre comment il fonctionne, ligne par ligne? Fais du Word et enregistre en HTML, sinon. Yes, ouais, sinon tu fais une image. Tu fais une image en 1080p. T'en fais une pour chaque résolution.
Comme ça, tu es responsif. Je trouve pas que Dreamweaver soit génial au final. Et tu peux pas faire comme tu veux, tu ne peux pas le mettre où tu veux non plus. On dirait oui, non, bah en même temps, c'est la configuration clic. En plus, Dreamweaver, bon, j'ai utilisé, j'étais gamin, hein, donc je sais pas quel, où ils en sont dans leur version par rapport au CSS3, tout ça. Mais oui, tu vas avoir des fonctionnalités, on va dire, assez standards. Et tu pourras pas faire ce que tu veux, ça c'est clair. Et encore une fois, t'apprends strictement rien par rapport au CSS vu que l'outil le fait pour toi. Réponds sérieusement à cette phrase, c'est quand même quelque chose. Ah, écoute, on peut, hein. C'est bizarre, j'ai des bonnes chaînes YouTube qui ne sont pas de simples tutos, mais un partage de dev senior sur sa vision du CSS. Tu peux balancer les liens, hein, Bluebill. Hein. Non, pas à 100%, mais parce qu'il y a des lignes pour chaque type de navigateur. Des lignes pour chaque type de navigateur, soit un menu toggle. Tu l'as chopé où le menu toggle? Tu peux me l'envoyer, Septenia? Ça m'inquiète un peu ton truc. Ah non, c'est clairement pas l'idéal, je vais planter, c'est vraiment pour faire un truc pour que tu connais absolument rien. Non mais même continuer dans la réponse sérieuse sur le troll. En 2024, c'est limite, tu connais rien, tu veux faire un site assez basique. Va pas coder avec Dreamweaver quoi. Tu ouvres un site sur WordPress.org ou sur Wix ou je sais pas quoi, tu places 2-3 images et c'est bon, t'as la même chose en fait. Hein. Je regarde ton lien, c'est tenir. Et il est où le code par navigateur? Après aussi, hein, enfin, peut-être que plusieurs manières d'apprendre, hein, mais si je commençais à apprendre le CSS et que je voulais faire un menu toggle hamburger comme ça, j'irais pas chercher un code pen avec un truc aussi complexe. Alors, je peux comprendre la complexité de son CSS, hein, parce que là, en effet, il a fait un truc un petit peu stylé, tu cliques dessus, ça se transforme en croix, ça tourne, ça fait une petite rotation, tout ça. Mais pour l'apprentissage, peut-être commencer à chercher à faire un menu burger assez simple, quoi, hein, juste un carré avec 3 traits. Et trouver des vidéos qui expliquent point par point comment faire ça, pourquoi. Parce que là, je peux comprendre qu'en lisant ça en diagonale, si tu comprends rien à CSS, tu sois vite perdu, quoi. Et je vois pas le code par navigateur, par contre. Et comme ça, sont fouillés dans mes abos YouTube. Kevin Powell est hyperplexed. Je vais regarder aussi pour ma gouverne. À partir sur un CMS, clairement, ouais, voilà. Sur un site de codeur appelé Safari. Je connais absolument rien, je débute quand même, déprimant. Mais non, faut pas. On te visait pas, oui, voilà, tout à fait. Hein. Moi j'avais fait, il y a pas de soucis avec mon menu toggle. C'est que pour mon téléphone, j'avais adapté, mais du coup, faut que je refasse car j'ai tout enlevé. Ok. Si on met, tu n'utilises pas un framework Septenia, genre avec Bootstrap, tu pourrais faire un truc clean rapidement sans te prendre trop la tête, tu aurais le menu, etc. avec une grande compatibilité. Ce que je veux dire, dis pas Bootstrap. Alors, j'ai pas dit pas Bootstrap, Septenia. Alors, attends, je vais d'abord sur ces trucs-là.
Encore une fois, hein, la réponse à la question, ça dépend ce que tu veux et le temps que tu as à dispo. À Kenpo, ouais, je suis déjà abonné, ouais, je me souviens. Ok. J'irai jeter un petit coup d'œil. Ah bah il a un code pen d'ailleurs, perplexe. Ok. J'ai pas dit Get Boostra, faut absolument s'en passer. Non. Le problème avec Bootstrap, enfin l'avantage avec Bootstrap, on va commencer par ça, c'est qu'en effet, tu peux limite fabriquer un site web fonctionnel. Je sais pas si on peut avoir des exemples. Avec tout ce qu'il te faut pour avoir un site de base, des formulaires, des inputs, des breadcrumbs, des buttons, ce genre de conneries. Sans faire une seule ligne de CSS. Ça, tu peux. Mais le truc, c'est que ça t'apporte un style déjà mis en place. Les couleurs des boutons, les arrondis, des choses comme ça. Donc du coup, si tu veux un truc un peu plus personnalisé, tu vas devoir faire du CSS pour supplanter le CSS de Bootstrap, voire même annuler certaines règles CSS que Bootstrap a déjà mis en place. Ça alourdit ton site, c'est pas forcément terrible. Et d'ailleurs, Bootstrap ne se vend pas comme étant un framework hein, pour le coup. Comme son nom l'indique, hein, c'est pour faire des Bootstrap. Donc c'est pour faire des maquettes en 2 minutes, grosso modo. Alors bien sûr, il y en a qui font des sites en Bootstrap et ça fonctionne très bien parce qu'ils n'ont strictement rien à faire du design. Et je peux l'entendre, pour le coup. Dans ce cas-là, oui, utilisez Bootstrap. Mais pareil, si t'as encore en apprentissage du CSS, t'es des Bootstrap, du matériel lui, n'importe lequel, c'est pas forcément la meilleure des idées. Attends, ça dépend aussi de ce que tu veux au niveau du contenu de ton site, quoi. Si t'as pas beaucoup de temps et que tu veux un truc déjà, qui soit déjà bien encadré et bien fonctionnel, lui, du Bootstrap ou du matériel UI, vu que tu fais du React, ça fait très bien le taf, quoi. Bootstrap égale point d'exclamation important, oui, tout à fait. J'en ai un menu toggle, je le mets partout, juste que ça faisait moche. C'est.fr fonctionne là, le menu toggle. Tu veux dire quoi par je le mets partout? Ah, sur moi, tu le copie-colle pas sur toutes tes pages, cette manière. C'est.fr fonctionne là, le menu toggle. Ah, attends. Ah, c'est le Todor, comment tu vas? L'heure que horoscope, c'est l'horoscope chez Menu. En vrai, le truc de base, c'est moche, mais ça, c'est un détail, surtout pour la structuration. Après, tu customises. Tu parles pour Bootstrap? Ouais, mais Bootstrap, la customisation, je trouve beaucoup plus difficile. Après, je suis un ancien utilisateur Bootstrap de la version 3.4. La version 5, je ne saurais pas dire. Je préfère pas m'avancer là-dessus. Si tu prends un matériel UI par exemple, t'as déjà un design qui est mis en place, mais déjà plus facilement personnalisable, tu te donnes des exemples pour pouvoir l'overrider si tu le souhaites, et en plus je crois qu'ils ont maintenant décomposé leur librairie. Alors, t'as un truc ici comme Base UI, où tu as vraiment des composants hyper basiques à quasiment aucun style. Donc ils te poussent quand même à... Ils te donnent quand même une certaine flexibilité par rapport à ça, quoi. Donc entre les deux, je préférais ça. Mais bon, l'inconvénient, c'est que c'est basé sur React. Donc il faut avoir un site sous React pour pouvoir utiliser le matériel lui. Mais je suis persuadé qu'il y a des équivalents pour d'autres frameworks, comme même pour du Vanilla.js. Hein. Vous voulez que je refasse un menu toggle alors que c'est celui que j'ai fait et fonctionne? J'ai pas dit ça, Stéphane. J'ai pas dit ça. C'est juste que tu me parlais d'un menu toggle et que t'as essayé d'enlever des trucs et ça fonctionnait plus. Et non, t'as dit d'enlever des trucs et ça fonctionnait plus. Je t'ai demandé est-ce que t'étais parti de zéro ou est-ce que t'étais parti sur un site existant. Et quand j'ai site existant, je parlais d'un projet déjà existant, pas de tu copie-colle des morceaux qui viennent d'ailleurs, etc. Le projet, quand tu l'as démarré, est-ce qu'il était vide ou est-ce que c'était un existant et t'as fait de la refacto dessus, quoi, grosso modo. Et là, tu vas parler du menu toggle et je vais juste demander est-ce que tu l'avais pris comme ça ou est-ce que tu as pris le temps de regarder comment il fonctionnait.
C'est tout. Je te dis pas, faut que tu refasses Menu Toggle. Si t'en as un qui fonctionne, garde-le. Tu m'as dit que pour React, c'est pas génial Bootstrap car il y avait un Bootstrap React que c'était pas mis à jour. Oui et non. Là, c'est moi qui le dis, le oui et non. Matériel UI. Ok. Ça va être un framework pour React. Donc, il te donne déjà des éléments sous forme de composants React. Donc, tu n'auras pas mieux comme, librairie adaptée à un projet React. C'est pour ça que je préférais Matériel UI à du Bootstrap par rapport à React. Bootstrap, c'est un framework de CSS. C'est du CSS, rien d'autre. Donc l'avantage, c'est que du coup, il fonctionne sur un projet React, mais il fonctionne aussi sur un projet Vanilla.js, Vue.js, Amber.js, ce que tu veux, JS. Il s'en fout, c'est du CSS. Il fonctionne même sur un site purement HTML, sans aucun JavaScript, pour le coup, le Bootstrap. Enfin, il a aussi un petit peu de JS, mais bon, enlevons cette parenthèse, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est plus le cas, hein. ça t'est viré, ce truc-là, si je dis pas de bêtises. Ou c'est jQuery qui a été viré, je ne sais plus. Bref. Et en effet, oui, le Bootstrap React... avait celui-ci, je suppose. Voilà. Ce que j'aime moins, tu peux utiliser ça. En gros, React Bootstrap, cette librairie, va en gros te proposer une intégration React de Twitter Bootstrap. Voilà la différence. Donc, tu vas avoir un composant input, par exemple, qui va directement avoir le style de Bootstrap qui va bien. Mais tu n'es pas obligé de t'en servir. Tu peux aussi simplement faire un composant toi-même, mettre les bonnes classes CSS qui correspondent au design de Twitter Bootstrap, tu mets React, tu mets Bootstrap, ça fonctionne. C'est juste que ça demande un peu plus de travail parce que du coup, tu dois toi-même faire l'intégration. Et utiliser une librairie qui fait l'intégration entre les deux, c'est possible, mais en gros, ça t'ajoute quand même de la dépendance supplémentaire et potentiellement une baisse de fiabilité. Pourquoi ? Parce que React Bootstrap n'est pas le framework officiel de Bootstrap. C'est-à-dire que si Bootstrap, là, demain, par exemple, sort sa version 6, tu ne pourras pas te mettre à jour sur la version 6 dès le lendemain. Pourquoi ? Parce que ben, tu dépends de React Bootstrap, qui, lui, est compatible actuellement avec la version 5. Et c'est une librairie qui est non officielle. Donc, c'est, en gros, c'est des personnes qui aiment utiliser React, qui aiment utiliser Bootstrap et qui ont voulu faire une librairie qui permet de combiner les deux. Voilà ce que je voulais dire. En fait, faire du CSS, je ne suis pas un grand adepte. Alors oui, pour apprendre est mieux, mais pour livrer quelque chose rapidement, c'est quand même assez important. Pareil, tout dépend de besoin, Ménésis. Toi, c'est pour ça que sur mon site que je dois reprendre d'ailleurs, je fais du pur CSS parce que j'ai jamais été habitué, je suis rejoint pour ça, Ménésis, à faire du pur CSS, dans le sens où la plupart des projets qu'on m'a fournis, le design, bon, à chaque fois que je posais la question, si on veut quelque chose de propre. Bon, bah, tu veux quelque chose de propre, j'ai claqué un Bootstrap pour un matériel UI, tu vois, je vais pas m'emmerder. C'est propre. Voilà. C'est pas personnalisé, mais c'est propre. Voilà. Et moi, je m'embête pas, je suis d'accord avec toi. Par contre, si le client, il veut vraiment un truc aux petits oignons, bah là, à l'inverse, du Bootstrap ou du matériel UI peut parfois même te limiter par rapport à ça. Donc, tout dépend ce que veut le client, en fait. Parce que ce qu'on veut mettre sur le projet en général. Quand je dis rapidement, c'est pas pour refaire 50 fois le même truc. J'en conseille pour corriger mon code, je vous laisse, ça marche, c'était un courage. Hey, coucou Samaken, merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Ça va malgré la chaleur et toi? J'espère que tu as bien profité de tes vagues. Bah, elles sont pas terminées. La petite semaine d'absence, c'était pour rejoindre une amie sur Metz. Mes vraies vacances, normalement, c'est fin septembre. Voilà. Et écoute, ça va aussi, aussi chaudement, pour le coup. Là, on va bien douiller dans le nord, là, aujourd'hui, demain, au moins. Ça devrait baisser après. J'ai envie de jamais cesser partout pour faire le site. Ça fonctionne mal et je dois corriger. Ça marche. Ça vaut plus tu qu'avec Bootstrap. Pourquoi cette combinaison, Guillaume? Ça te rend très dépendant des outils lib, le jour où tu veux migrer le framework, tu galères. Ouais, non mais voilà, c'est pour ça qu'il faut... Et je suis passé par la case justement plein de dépendances, et après ça se retrouve avec une technique des dépendances, des dépendances en plus qui sont interconnectées, donc tu peux pas mettre à jour parce que l'autre est requis à la version inférieure, etc. Bref, un enfer. Donc oui, faire un site en zéro dépendance, pas nécessairement, mais faites
faites des bons choix et limitez au maximum les dépendances, quoi, pour le coup. Là, si je vais partir sur un bootstrap, je suis pas sûr d'utiliser React Bootstrap. Je partirai peut-être sur un site en React, je claque Bootstrap dessus et je joue avec les classes CSS, j'aurai le même résultat, quoi. Il y a 5 ans, j'aurais peut-être pas eu le même débat, enfin le même avis. Des hauts débats niveau dev, mais bon, c'est la vie de dev. Tu nous racontes un peu Samacon. Elle fait un détour chez Samacon qui fait du développement. Notre petite adresse, allez voir, n'hésitez pas à lâcher un petit follow. Je vois, pour la customisation, c'est sans doute le mieux. Le vanilla, mais faut être prêt à s'arracher les cheveux quand t'es pas intégrateur. Ouais, non, mais voilà. Ouais, d'accord. Et ça prend plus de temps. Et ça, quand tu es face à un client, faut bien le faire comprendre, quoi. Hein, ça se paye, ce genre de choses. Je parle d'utilisation de Bootstrap. Cette fois, t'es longtemps très proche de Bootstrap. Ah, oui, 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 dans ce sens-là. Oui, ou même, ils proposaient des formes Twig avec Bootstrap dedans. Ah, c'est pareil, moi je viens de ce milieu-là, hein. Mes premiers projets PHP c'était du Symfony plus Twig. En effet, c'est simple, c'est rapide, c'est sympa. Mais comment dire, après j'ai découvert la partie front-end. Je suis moins fan en fait des frameworks plus back-end, que ce soit PHP ou autre langage, qui te permettent de générer des vues en Twig. Et dans la fichier le site, quoi. Si tu veux vraiment une application assez réactive comme on trouve maintenant récemment dans les années actuelles, j'aurais plus tendance à aller faire une API en back-end et un front-end en pure JS. Et ça, bon, on avait déjà parlé de ce truc-là. Un petit follow pour tes prochains streams, c'est un code. Merci pour lui, Amélicis. Genre les portfolios en React avec un back-end. Paf! Ah, Cydes, ça dépend. Hein. Moi, personnellement, mon site en portfolio, mon back-end, il y a de fortes chances que ça soit Git. Avec des bons gros fichiers JSON dedans, où je mets mon contenu. Et puis quand je mets à jour, je fais un commit et je le déploie, tu vois ce que je veux dire? Question bête, c'est quoi un intégrateur? Il fait quoi? Grosso merdo, il va prendre ton projet de dev front-end, il va prendre les maquettes faites par les designers de ce que tu veux, qui montrent ce que tu veux voir au niveau du site, donc l'apparence que doit avoir le site, et il va faire le CSS et le JS nécessaires pour que ça puisse tourner, grosso modo. Disons que j'ai modifié mes données au niveau API, du coup je dois démêler un puzzle. Ah. Transformer la maquette en site web en gros, ouais, voilà, c'est ça. Dans les grandes, grandes lignes. Et puis c'est un métier qui se confond, se mue, la frontière est fine, hein, entre le développement et le design. En plus, quand t'es dans les petites boîtes, t'as rarement tous les pans de métier disponibles. Moi, j'ai fait du travail d'intégration, par exemple. Parce qu'on n'avait pas d'intégrateur dans ma boîte à l'époque. On était pas assez nombreux pour ça. Donc ça me dérangeait pas, pour le coup. Je le dis toujours, hein, aux personnes avec qui je travaille en dev, je dis, moi, le design... Tu me demandes de faire une étoile en CSS, je fais une étoile en CSS, je vais me démerder, je vais réussir. Ne demande pas de me faire un truc beau ou de réfléchir au design du site, ça c'est pas mon truc. Là je te sors un matériel UI ou un bootstrap et tu fais pas chier. Wuloski, il va râler sur les designers. Non mais arrêtez avec vos XXX ou Photoshop, c'est pas possible ça en CSS. Les XXX. Tu parles de quoi, Wuloski? Et comment vas-tu? Ou son mini toggle à cette tenia là. En mode mobile peut-être. Ah oui, il est là. Ah bah il fait le taf en effet. Plus la croix qui est un petit peu décalée à droite, mais sinon ça fait le taf. Hein.
C'est pas la con qui font jouer dans la maquette sur les comptes principalement. Oui, non mais voilà, alors ça c'est un autre grand débat aussi. Hein. T'as intérêt à bosser avec des designers qui comprennent un minimum aussi l'environnement web. Et c'est énorme, parce que sinon ça peut vite devenir un enfer, quoi. Pareil, le choix des fonds, ta taille des polices, ce genre de choses. Bah, je crois que le Blue Bill, on avait parlé avec cette tenue. Hein. Normalement, pour des raisons d'accessibilité, tu touches pas à ça. Tu mets pas une fonte en particulier. Tu mets pas une taille de police fixe. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne pourra pas la lire. Donc comme les fonts size à 16 pixels, 18 pixels, ça c'est pas possible parce que il y a des gens qui vont moins bien voir que vous et qui vont genre faire ça. Du zoom. Ah, si vous mettez des tailles fixes, ça va pas suivre, ça va faire dégueulasse et les gens ne sauront pas lire correctement. Ça c'est hyper important. Sur le choix des fonds, je sais plus pourquoi, mais j'avais vu un article comme quoi c'était pas conseillé d'en mettre, sauf peut-être pour des titres ou des choses comme ça, quoi. Ouais, des 500 ombres qui font tout plat, si l'enfantin, bah c'est mon skill en design. C'est ça. Moi j'ai eu un débat comme ça, hein. J'en démordais pas parce que vraiment ça me saoulait. L'accessibilité pour moi c'est hyper important. Ayant un frère avec un handicap, pour le coup, ça me touche encore plus. Et on est en train de réfléchir au design justement d'une nouvelle application web qu'on mettait en place, plus mobile. Et la personne, elle travaillait, etc. Elle sortait ses maquettes. Je commençais à faire l'intégration et puis je faisais passer ça en storybook avec l'extension A11Y, donc la fameuse extension basée sur les normes d'accessibilité. Et elle avait fait des boutons roses, clairs, avec une écriture blanche à l'intérieur. Pas ni une ni deux, hein, le système d'accessibilité m'a dit un, ça c'est pas bon parce que le contraste n'est pas suffisant et que ça concernait, je sais plus, je vais dire un nombre hasard, mais c'était quand même assez impressionnant, je crois, les trois quarts des personnes du monde qui pouvaient avoir ce genre de problème de lecture. Et grosso modo, la réponse que j'ai en face c'était ouais, mais on s'en fout en fait. C'est bon, moi j'arrive à lire, toi t'arrives à lire. Oh mon dieu. Ouais, non, voilà. C'était long, hein. C'était long. Non, moi, j'ai pas demandé. Je fais, moi, je te publie pas ça. Tu me changes les palettes de couleurs, j'en ai rien à foutre, mais... je publie pas ça. Bon, j'avais la chance parce que, du coup, je faisais partie des fondateurs de la boîte, donc, du coup, j'avais mon mot à dire. Et, du coup, j'en ai bien profité parce que je fais, non, ça, je signe pas là-dedans, moi. C'est pas... C'est de l'irrespect. Point. La mauvaise réponse à donner. Ouais, c'est ça. Moi, rien à battre des autres. Parce que... Comme la blague que j'avais sortie sur Blue Bill, hein, c'est le même délire. Hein, parce que j'aime bien faire l'analogie avec la vie réelle, parce que les gens, quand c'est le web, ils comprennent pas, alors que c'est la même problématique. T'ouvres un magasin, t'as fou un escalier devant l'entrée, mais pas de rampe d'accès. Bah quoi, t'as des jambes, t'es capable de marcher, toi. Donc y a pas de problème, en fait. Ton magasin, il fonctionne. On peut y accéder. Comment ça, y a des gens en fauteuil roulant, je comprends pas. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les effets à la con qui font joli dans la maquette, sur les fonds principalement, ouais. Alors moi j'ai eu de la chance dans mon autre travail, le Husky, c'est que j'avais un patron qui était, c'est un techos, hein, lui il bossait dans l'infra principalement, donc les serveurs, tout ça. Et moi je m'occupais du développement du site qui était l'intranet, extranet entre nous et les clients, pour de la gestion automatisée, tickets, etc. quoi. Et à un moment on voulait refaire le design. Et du coup j'avais quand même une protection, on va dire, à ce niveau-là, parce que quand j'expliquais à mon patron que certaines maquettes, je vais essayer de faire au mieux pour m'en approcher, mais ça pourra pas être hyper réaliste. Lui, il arrivait à faire la médiation pour faire comprendre que oui, en effet, on peut pas tout faire par rapport aux maquettes, quoi. Après, tu vois, je me demande des outils comme... comment ça s'appelle déjà ce truc ? J'ai plus tout le temps Figma. Je sais pas, ces outils comme du Figma, tu vois, ça aide un peu plus parce que j'ai l'impression que ça, c'est un peu du design, un peu à la Photoshop++, mais plus axé web. Donc peut-être que eux, ils ont déjà les normes web en place, je suppose, hein, uniquement. Et bonjour, tout à fait, Evil Corp, bienvenue à vous, comment allez-vous? Tiens, j'ai entendu un tacos, je me suis dit, c'est hyper raciste quand même. Un tacos? Ah, c'est tacos, tacos. Oui, mon patron, c'est un tacos. Aucun sens. Bien, et toi, ça va très bien, je te remercie.
petit stream en décalage là. J'ai dû commencer tard. Du coup, bah, ouais, petite session de 2 heures. Je dépile un petit GitHub, on discute de sujets divers et variés. Là, c'est l'accessibilité dans le web et à quel point elle est mal comprise. Et vous, ça raconte quoi de beau? Et Figma permet de voir aussi ces côtés-là, je pense, mais d'avoir des plugins. Déjà, avoir un truc visuel bien posé, ça aide pas mal, ouais. Tout à fait. Non, puis aussi, tu vois, si d'autres parties de l'accessibilité, je pense qu'ils sont un peu compliqué à comprendre, ou alors compliqué ou manque de motivation hein, de la part d'entreprise, hein, je vous laisse en juger. Mais c'est comme l'accessibilité pour les personnes aveugles, tu vois. Tu prends les trucs comme bah, justement matériel UI. On va faire un petit tour. Tac. Et ce composant du button, j'aime bien cet exemple-là en général. Donc là, c'est des boutons. Ok, bouton matériel 8, tu peux cliquer dessus et tout, c'est bien, c'est beau. Nous, on est capable de le faire parce que nous sommes valides, nous avons une souris, nous avons des yeux. On voit bien que c'est un bouton. Merde. Ah, les manches HTML, c'est button. Ok, je suis persuadé que j'utilise des divs. Ok, bon, mauvais exemple. On va aller ailleurs. Il rebobine. Ah non, ça va, il respecte quand même plutôt bien la sémantique HTML à ce niveau-là. Ah bref, il peut y avoir des moments où vous allez devoir utiliser des divs bien designés pour faire un truc qui ressemble au design que vous souhaitez à ce niveau-là. Par contre, vu que ce sont des divs, bah, c'est pas forcément reconnu par les navigateurs, notamment les navigateurs pour les aveugles, en braille, etc. Et vous avez tout ce qui est les attributs, les arias, qui vous permettent de mettre en avant des informations pour dire ça, ça veut dire tel truc, ça, ça veut dire tel truc, etc. Ça, c'est hyper important pour le coup. Mais ça prend un temps de fou de mettre ça en place. Et le souci, quand tu présentes ça parfois à certaines entreprises, c'est qu'ils ne voient pas l'intérêt de faire ça parce que ça ne change rien. Et en effet, visuellement, que tu mettes des attributs d'accessibilité, aria, quelque chose ou pas, pour un humain 100% valide, ça ne change que dalle. Et pas pour une personne avec un handicap. Et ça, pareil, ils ont du mal à comprendre sur autre chose. En fait, le problème, c'est que voilà, c'est que concrètement, ça n'apporte rien de plus à une personne qui le regarde. Donc du coup, c'est pas possible, c'est pas entendable d'allouer du budget pour ce genre de choses. C'est comme les tests automatisés, hein, c'est la même chose. Hein. Pourquoi écrire un test automatisé? Il fonctionne le site là. Hein. Allez, go, mets en prod. Le select, ah oui, le select, je pense que c'est un bon cas, ouais. Attends, j'ai raté quelques messages du coup. Je bats toujours avec ces mecs parce que ni chaîne de caractère trop longue. Yoski qui a envie de casser un clavier aujourd'hui. Courage Yoski. Tu fais son pognon comme d'hab, ouais. D'ailleurs, tu peux aussi transposer ça dans la vraie vie. Hein. Mais de base, il te permet de créer des pages prédéfinies pour web, tablette, téléphone. Après, t'as les composants, etc. Ouais, alors après, je t'ai déjà renseigné, mais ça fait un petit moment. Mais il y a un truc que je trouve qui me manque à Figma ou outil équivalent, c'est justement, je pense qu'on y arrivera un jour, hein, c'est pouvoir transposer assez facilement la création via des outils comme Figma et la transformation derrière en composant, React, Vue, tout ce que tu veux. Il y a quand même cette étape où, ok, on a un beau truc, bon bah maintenant il faut tout recoder à partir de zéro pour refaire le même truc, mais cette fois-ci en code, tu vois. Une petite frustration par rapport à ça. Si on arrivait à faire ça de manière un peu plus fluide, ça ferait gagner beaucoup de temps, je pense. Alors, tu auras de la chance aujourd'hui, Bluebill.
C'est pas dans les trois tirages venus, mais il est particulièrement éclaté au sol le jour du lance-cop, ah ouais. C'est pour le SO, le sémantique HTML. T'es sûr? Que pour ça? Y'a pas les attributs Non, on vérifie, hein. Genre le SR only, par exemple. Et salut Anunnaki. As-tu vu Deadlock le jeu? Hein? Quoi? De quoi tu parles Anunnaki? Et comment vas-tu? Qu'importe, je suis fan de se moquer de ce que dit l'horoscope, que ce soit pour ton signe ou celui des autres. Ah, le jeu Deadlock! Ah, d'accord, non, j'ai pas... Non, je connais pas. Je crois que tu me parlais d'un Deadlock dans un jeu. Du coup, j'étais en mode... Coucou Maximax. Comment vas-tu? Ouais, lecteur de page aussi, ouais, je crois. Hein. Y'a pas une doc... Waouh. C'est la charte graphique du Washington Post, les gars. Nominé to include area label by, area label on title, attribute to this element so screen readers know what they contain. Et c'est pas que pour le SO, je pense. Hein. Un jeu caché de Steam pour battre LOL. Ah ouais. Il y a une invitation seulement, je peux inviter dans un jour si tu le veux. Donc je vais regarder ça. C'est pas la partie Figma, payant de Figma, le fait d'exporter les composants et sembler au début Figma qui faisait ça, mais le code était pas ouf. Je sais pas trop te dire, à voir. Enfin le retour des trucs que je pige pas. Ça voulait toi, ça va très bien Maximax, je te remercie. Et oui, retour des trucs que tu piges pas, tout à fait, reprise du dev. En douceur, petit stream de 2 heures aujourd'hui. Deadlock nous parle. Qui vient tout juste de lever sa NDA, c'est un shooter c'est qui vient tout juste de sortir dans un univers steampunk, qui est développé par les papas de Counter-Strike et de Dota 2, et qui nous propose un jeu absolument succulent, et je vous le dis d'emblée, si sincèrement j'avais 15 ans de moins, je crois que j'envisagerais peut-être éventuellement une carrière professionnelle, ou en tout cas la volonté de faire une carrière professionnelle sur ce jeu. C'est à ce point que Deadlock est en train de me séduire. J'attendais pas du tout à ça. Bah, quand tu me dis que ça cherche à remplacer League of Legends, League of Legends, c'est pas du FPS. Alors, c'est la mécanique de League of Legends, mais en mode... Enfin, c'est pas FPS, c'est TPS. Faut être précis. Ici, son titre. C'est ça ? D'accord. Fermé. Je vais déjà vous expliquer un truc tout bête. Le jeu pour l'instant est disponible sur Steam. Il marche par invitation. Il faut vous faire inviter. Si jamais vous voulez vous faire inviter, il faut être ami avec quelqu'un qui a le jeu et celui-ci va vous inviter sur le jeu. Ce que je fais, c'est qu'en live, eh bien, j'invite des viewers sur ma friend list. On est très très loin d'un jeu comme Overwatch, on est à des années-lumière d'un jeu comme Apex Legends, et par contre je peux vous le dire, ce jeu-là, en termes de densité, de complexité, rivalise avec Dota et avec League of Legends. Si en plus de ça, on amène justement tout le côté vertical okay. Que ce... Bah écoute, je sais pas, je suis pas un grand joueur de... Je suis même pas un joueur du tout de League of Legends pour le coup, et ça pourrait être intéressant à tester, ouais. Sans doute pour remplacer Valorant. Est-ce que Valorant du coup est dans la même mécanique que League of Legends ?
pas regardé les vidéos encore, mais je pensais que c'était un murder tellement elle la ramasse. 4 lignes au lieu de 3, mais c'est la même dynamique. Ok. Sans la vidéo promo, ça va être trop positif en 30 secondes. Dans Valo, c'est Counter-Strike avec des boules de feu. T'as le jeu, tu l'installes? Bah, let's go. Tu nous diras. Donc, ouais, voilà, les Aria Labels, pour moi, ça me sert aussi. Pour l'accessibilité. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant avec des outils comme Material UI, par exemple, c'est que tout ce qui est partie accessibilité, on vous aide déjà un peu. C'est-à-dire que si vous utilisez des composants officiels Material UI, il y aura déjà des attributs d'accessibilité qui seront mis en place. Si vous faites tout ça à la main, bah oui, il faut penser à tout ça, tout à fait. Je serai ce soir du coup. Ouais, mais il faut des invites apparemment en Manisys. Tu trouves quelqu'un qui possède le jeu, qui peut t'inviter. J'ai les règles A11Y pour le synth. Ouais, t'as le synth A11Y, évidemment. C'est lui. Il me semble. Hein. Ouais, donc t'avais Slim pour ça. T'as aussi Storybook, Autodor, par rapport à ça. Il y a une extension officielle. La donne A11Y. Et là, c'est vraiment bien parce que visuellement, en gros, bah, ça t'affiche le rendu de ton composant, ta page, ce que tu veux là-dedans. Et t'as un onglet accessibility qui te dit toutes les violations et toutes les passes que tu as par rapport à l'accessibilité. Vraiment bien foutu pour le coup. D'ailleurs, ce que je trouve encore un peu dommage, hein, ce que j'ai dit la dernière fois qu'on parlait de ça, c'est que Storybook, dans la dernière version, ils ont sorti un pack d'addon qu'ils appellent le Essential. Où ils mettent plein d'addon parmi les addon officiels et les plus utilisés. Bon, pourquoi pas, sympa. Il n'est pas dedans. Pourquoi? Pour moi, un addon qui permet de vérifier l'accessibilité de ton site ou tes composants, ça devrait faire partie de l'essentiel. Mais bon, visiblement, on n'a pas tous la même réflexion. Ah! Je te vois! C'est pas vrai. Tu me vois pas, je suis pas là. Je suis pas là, je suis. J'étais au cinéma. Et bonjour Biswep, et bonjour Jack Nicholson, qu'est-ce qui honte encore? Qu'est-ce qui se passe Jack Nicholson? Vas-y, crash ta rage là, vas-y. Juste en playtest, mais il a l'air fini, quand je vais du monde y jouer hier, ok. Moi je bosse beaucoup sur les arrières labels, conseil, mettez des ponctuations, le lecteur est plus audible. Ah. Même quand tu mets juste un mot. Il y a un truc que je suis jamais renseigné, mais ça m'intéresserait, c'est de voir si on peut trouver des readers pour se mettre à la place justement des personnes avec handicap. Comme tu viens de dire, tu vois, la lecture est plus audible. Est-ce qu'il y a des logiciels assez simples d'utilisation où on pourrait justement tester le truc, écouter ce que ça sort comme son. Et tu n'aurais pas pensé que ça joue autant. C'est vrai que sur coup, j'y pense pas non plus, mais ça fait sens pour le coup. Virgule ou point final, le lecteur lit tout d'une traite avec des ponctuations, il fait des pauses dans ses phrases, ouais voilà tout simplement. Honteux pour la 11. Ah oui, le fait qu'il soit pas mis dans l'essentiel. Je suis tout à fait d'accord Jack Nicholson. Et ça va bien Biswep. Et toi comment vas-tu? Et comment va le Jack Nicholson? Il dit que c'est un addon Chrome qui lit des pages en vocal. Ah. Tu as le nom tout hasard Game? Ça serait long à tester par contre. Ouais, mais après, t'es pas forcément obligé de tester tous les Aria Labels. Et chiant, tu vois, pour te rendre compte un peu de quelle est la meilleure façon de faire les choses, t'en testes 2-3, tu vois, et puis ça te permet d'avoir des bonnes habitudes derrière.
Bon, après, c'est la langue française, quoi. Enfin, c'est, on a tendance à oublier, hein, mais les virgules et les points, c'est important. Hein, et pas que pour les readers automatiques, pour les humains aussi. Hein. Je pense personne, hein, mais des fois, je vois certains de vos messages sans aucune virgule, sans aucun point. Vous me faites souffrir. Hein. Et coucou Devotion, comment tu vas? Je te cherche ça, bah, merci beaucoup Guillaume. Bien et toi, ça va très bien, cher, merci. Sur Mac, on a déjà un truc préinstallé, VoiceOver. Pour Windows, pour installer un logiciel, je ne sais plus le nom. Et pour un mot, j'ai un doute. Perso, Mesaria, c'est pas des phrases. C'est des phrases, pardon, ok. Tiens, souffre mon beau. Oh le bâtard. Screen Reader, tout simplement. Ah, ça. Cette extension qui sera peut-être bientôt plus disponible car elle ne respecte pas les bonnes pratiques concernant les extensions Chrome. Elle est déprécated, ok. Il y a lui sinon. ...2,5/5, ouais. Celui-là a l'air pas mal. Hein. Tiens, testons-le. Ça fait 2 ans depuis pas trop touché. Ah non, c'est un live screen recorder, pardon. Rien à voir. Rien à voir, ça peut me servir, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas qu'est-ce que je veux. Alors là, je pense qu'il faudrait, c'est plutôt trouver les navigateurs qui sont utilisés par les personnes avec déficience. Plutôt que sans son Chrome, hein, ça sera plus efficace, je pense. Par contre, ce QI du Linux là-dedans, je suis pas sûr. Perso, je teste avec mon OS directement. T'es sur quoi, toi, Windows, Mac? Utilise le screen reader de Edge. Run. Cours vite, Autodore, le Théo te poursuit. J'en ai plaie car une fois activée, c'est la galère, elle cause tout le temps. Attends, voilà, c'est décidé pour les personnes qui ont besoin de ça, donc c'est un peu normal, quoi. Bon, du coup... on peut faire un ignore de cette manière. Mm-hmm. Il y a quelle version là de... ...390. On va faire le test ici en fait. Hop.
J'ai un point SH qui traîne. Ok, ça scanne le vendeur et sa gueule dessus. Si je vais dans Editor Config... Ouais, en effet, on peut mettre un ignore dans l'éditeur config sur les dossiers vendeurs et c'est pris en compte par SHFMT. Éventuellement. Je suis pas convaincu sur le fait que ce soit la meilleure des méthodes, mais why not? Why not, why not? On va peut-être l'ajouter sur son doc. MP3 sur mon numéro de Steam, ça marche Naki. Je regarderai ça à la pause. Parce que je suis sur Linux, j'ai pas Steam. Faudra que je reboot sur Windows d'abord. Ouais, je peux t'envoyer une invitation, ça marche Naki, merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'on peut faire un truc comme ça aussi. Ouais. J'ai trouvé streamer, je lance le jeu, à plus, ça marche Naki. Merci encore et puis ben bon test à toi. Ah non là il est pas content. Bah du coup faudrait un truc comme ça. Ça fonctionnerait comme ça. Oui. J'ai déjà répondu comme quoi c'était pas forcément idéal ce que l'éditeur config surtout pour les éditeurs. Apparemment c'est pas le cas. Ok. Ah, m'avait pas manqué celui-là, tiens.
qui pensent être tranquilles. Ça dégage. Il trouve depuis une petite semaine, lui. Bah, du coup, ça confirme aussi le fait que seuls les streams de catégorie dev sont visés. Hein, parce que la semaine dernière, j'ai fait que du jeu vidéo. Et j'ai eu aucun message de ce style-là. Oui, l'argent. L'argent. Alors, je suis d'accord, Maximax, vive l'argent, mais. Pourquoi ? Pourquoi cette phrase-là maintenant ? Enfin, cette phrase, que dis-je ? Ce mot. Ces mots. Ce... Ouais, bon, bref. Ouais, bon, du coup, pas grand-chose d'autre à faire avec cette issue. Le mec ne veut pas du Git Ignore. Eh ben, on se passera du Git Ignore. On fera avec ça. Tchou-tchou. Raison, l'argent. La lobby sur le coin, elle fait chef Michel menu tout à l'heure. Je pense arrêter aux alentours de 13h. Non, on chasse les chats. Quoi ? Comment ça ? Passe, ok. C'est parti. Bien, next. Qu'est-ce qu'il raconte chez Microsoft TypeScript. Ah ! Ah ! Encore un bel exemple, mesdames et messieurs, de ce que vous devez surtout pas faire sur une issue. Un projet open source si vous voulez pas passer pour un gros connard. Voilà. Si les issues is open. Wow. Wow, Mr. BNS. Mais go, vas-y. Fais un fork. Fais un TypeScript 2. Et implémente la feature.
connard. Ah, insupportable. Insup. Les gars, c'est de l'open source, rappelez-vous. Je suis bien passé pour le dire, hein. J'étais mateur de projet open source, hein. J'en ai déjà calmé des gars comme ça. Hein. En général, la manière de calmer elle est très simple, hein. C'est ben vas-y, on attend ton PR. 89% du temps, t'as plus aucune nouvelle de lui. C'est un sniper, tu comprends pas. Ouais. Ouais, c'est pour ça, ouais. Des tartanes gifs, je vous jure. Bon, du coup, rien d'intéressant. Hein. Allez, on revient. À la preuve que c'est un acte de connard, parce que le message, il apporte rien. Il rajoute du scroll sur une issue qui est déjà longue, comme pas possible. Et il notifie toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet pour dire de la merde. Comme moi, actuellement. Sur ces bonnes paroles, je vais manger. Bon appétit à toi, Manicis. Ça mange quoi de bon ce midi? Et passe une bonne après-midi, peut-être tout à l'heure. Ouais, alors celui-là, je vais unsubscribe parce que je compte pas utiliser Frozen Hot dans un futur ni proche ni lointain. Des restes de pizza. Ah, je sais pas, j'ouvre le frigo, j'ai regardé ce qui reste en fond. Bonne pitié à toi, Médicis. À tout à l'heure. Ça, pareil, hein. Non. Et mettre un sourire ne change rien. C'est limite encore plus énervant. Alors c'est quand la prochaine update? J'ai un sourire. Du coup, vous pouvez peut-être grouiller vos culs, s'il vous plaît. Bon, c'est quoi le sujet? Ah, toujours les pseudo-states. Alors, c'est pas celui-ci où on l'avait dit ici, ça t'est corrigé. J'avais dit qu'en fait, bah non, je crois. Hein. Puis ouvert l'issue. Mm-hmm. Bien sur la musique qui kicks. Eh bien le bonjour, comment il va? Ouais c'est ça, le message warning était parti mais je n'ai plus de bouton. Ça dit que c'était fixé à 301 et il me semble que je vais rétorquer que bah en fait non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit après? Ok, je lui ai donné toute ma liste de dépendances, ma config. Et j'avais fait une reproduction case, c'est vrai. Il a fait une version 4.0. Nouvelle majeure, pourquoi ça? Breaking Chain, upgrade to Storybook V.2, en général cleanup, c'est... C'est assez vague, monsieur, quand même. Bonjour. Bonjour, Kikix. Comment va le seul, l'unique, le Kikix? Ouais, ouais, ouais. Ça va et vous? Ça va très bien, je te remercie Kikix. Ah, est-ce que c'est aussi la rentrée pour toi? Vacances? Rien à changer? Toujours au boulot? Bam, 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 bam.
Attends, on a changé des trucs, mon gars. Ouais, bon, bref, allez, on va tester. Bah, on va reprendre le POC, hein, du coup, Storybook Pseudo State. Bon, déjà, en 8.2, très bien. Ouais, juste un package JSON, donc npm install npm run dev, non même pas run dev d'ailleurs, déjà une version récente de Node, ça peut être pas mal. Et je veux storybook, storybook pas storybook. Là, on a en effet pas le bouton pseudo state. Partons sur la version 4.0.0. Toujours pas là. Qu'est-ce qu'il me fait le monsieur là? Je sais quoi, il me dit c'est bon, j'ai fixé, et en fait bah non. C'est quoi sa dernière release? Hey, salut Mathieu Mota, comment tu vas? Bon, ça va bien, je te remercie. Élève de code, ça fait longtemps. Ouais, en effet. 15 jours. 15 jours, 15 jours, et j'avais pas forcément beaucoup de temps ce matin, donc petit stream rapide, des petites notifications GitHub, on discute. Chill. Ok. C'est ta toute dernière version. Ok. Ok. Je vais quand même refaire un test dans le doute. On va supprimer totalement le node module. Et on recommence. Toujours rien. On va tenter la dernière version de Storybook pour être sûr. Donc c'est la 8.2.9. Je vais mettre en version fixe. Hop. NPM. Un chouïa plus rapide, ça serait bien. Thank you.
j'ai toujours rien, hein, quand même vérifier les configs, mais... Elle est bien active. Revérifions la doc. Du projet. Pendant celle installée dans le main.js UTS addon storybook addon pseudo state à mettre dedans. C'est bien le cas. Et après c'est pour mettre les paramètres par défaut, mais bon, je pense que ça change. Donc, ouais, des os, pas des os, mais toujours pas ce Kengiveld. Kengiveld. C'est merveilleux, la mémoire musculaire. J'ai mon cerveau en mode zombie qui fait du PowerShell. Aucune idée de ce que je fais. I have no idea of what I'm doing. Et ça fonctionne. Principal, non? Cette phrase pas du tout rassurante. Ouais, ok, bon bah ça pas marche. Hein. Ça pas marche, monsieur. Donc on va faire la mise à jour. Ça a l'air. Je le note par avance, on va le tester ça. Bon, toi, c'est mon résultat. Ce pseudo state. Je remonte quand même, hein, parce que j'ai raté quelque chose, parce que là, il a quand même fait 3 fixes, il me semble. À chaque fois, je teste son truc. Bah non, ça marche pas. C'est la même issue.
Enfin, c'est le même sujet, je veux dire. Ouais. Ouais, c'est pas tout à fait la même, mais c'est lié, quoi. Okay. Bon, on va laisser le matin gérer ça. Ah, excusez-moi une seconde. Bonjour. Oh, vous avez rien perdu, hein. J'ai juste ça c'est de la merde, ça je me maintiens plus, ça voilà basta. Mais ouais j'étais focus. Merci pour le micro. Et coucou Dubdub, comment tu vas? Et là du coup on est sur les sous de PHP Cost Sniffer. Où on propose d'ajouter un report code climate pour GitLab. Informez-toi, bah mis à part que j'oublie de debut mon micro, ça va. On reprend les streams dev en douceur, là en dépit des notifs GitHub, petit stream court. Et toi ça raconte quoi de beau? Longtemps que je t'ai pas vu en stream Dubdub, ou alors je t'ai juste raté? Pas d'accord avec ce qu'il dit. Donc, vous voyez qu'on peut avoir PHPCS globalement, mais bah non, en fait. Parce que justement, des fois, tu peux avoir des dépendances sur d'autres extensions de PHPCS Fixer, et là, ça marche qu'avec Composer, quoi. Et surtout que mon projet, mon job CI, n'est pas au courant de ça. Pour faire un workaround avec JQ, mais pas terrible. Hein. Coucou Gravitron,
croissant à toi aussi. Comment vas-tu? Ouais, je vais répondre à ça, mais ça, pour le coup, je suis pas d'accord. Essayer d'apporter quelques arguments là-dedans. Provax à max, mais ça vax. C'est beau. T'as fait la bringue hier, comment ça se passe? Trop chaud, mal dormi. En mode JPEP. Faut pas de boire de l'eau d'ailleurs les amis, il fait chaud en ce moment. Hein. C'est beau comme toi, quel charmeur ce gravitron, quel charmeur. Ah, c'est vrai. Non, juste crevé par la force de la nature. Le café, ça compte. Bah, il y a de l'eau dedans, quoi, mais... Je conseille de boire de l'eau avec. En plus, le café, ça jaunit les dents. Trou. Viré trou. Donner mon cas concret. Hein. Lurk sur ce, ça va, Gravitron, merci pour ton lurk. Salut Naline, comment vas-tu? Je lirai pas la suite de ton message. Je fais bien, merci. Et toi, ça va, je te remercie. Et oui, retour des stream dev. Avec une reprise en douceur, en dépit des petites notifs GitHub au calme. J'ai pas eu beaucoup de temps ce matin. On prendra nos sujets à partir de demain.
Allez, on envoie ça. On verra bien ce qu'il en pense. Sinon, bah, on partira sur un petit bricolage. Hein. Comme avec JQ, par exemple. Un peu chiant de faire ça, mais bon. Pas trop le choix. T'as jamais utilisé un framework CRDT, je sais même pas ce que ça veut dire CRDT. Donc peut-être. C'est ça, le type de données répliquées sans conflit? Structure de données conçue pour permettre à un système distribué de maintenir plusieurs réplicas de données sans nécessité de synchronisation, tout en garantissant une cohérence éventuelle forte. Et éventuelle. T'as un exemple concret de framework qui fait ça? Genre les blancs les plus populaires? Mais là non, ça me parle pas, je pense pas avoir eu ce genre de besoin jusque maintenant. Type de données est employé pour représenter un état mutable partagé entre plusieurs réplicas. Chaque réplica peut mettre à jour son état de manière indépendante. Ouais, donc t'as pas de notion de master-slave, quoi, c'est ça? YJS que j'essaie d'utiliser. Oh, du JavaScript, bouh! Bluebill, cache-toi. Ferme les yeux. The building doc for building collaborative application de Google Doc on Figma. Ah, oui, ok. Je commence à voir l'intérêt de ce système. C'est un sandwich carotte, radis, durian, tomate, le CRDT. Bluebill, je veux savoir. Combien de temps tu as mis pour sortir la blague? J'ai galéré pour le thé. On va monter une app en real time collaboration, éditeur, tableau blanc. Ouais, ouais, bah, de toute façon, dès que j'ai vu Gold Talk Figma, c'est bon, j'ai capté l'idée, quoi. Bah, du coup, non, jamais utilisé. Parce que j'ai jamais eu le besoin jusque-là. L'idée est intéressante. Mais là, c'est back-end ce projet-là. Non, c'est du front-end. Du coup, comment tu gères la donnée en fait derrière? C'est un nom du monde. Enfin, c'est vrai, socket ou WebRTC. Ok, ok. Bah, j'avais déjà regardé il y a un bon bout de temps pour du... J'aime bien le dire comme ça. De collaboration. Ok, ok. Bon, je vais faire ma lessive, sinon je vais aller mettre des commentaires d'insultes dans les issues. Ne sois pas comme les gens qu'on a montré tout à l'heure, les Oski. Ne sois pas un connard, s'il te plaît. Va faire ta lessive, ça va te faire du bien. Change-toi les idées. Et qu'on a perdu, personne ne connaissait, donc je l'ai laissé de côté. Ok. Ah, moi, je connais pas. J'ai jamais eu de besoin de ce style, donc... Je ne saurais pas t'en dire plus. Ok, donc ça en a répondu, ça en a répondu. Et quasiment plus de notifications gérées, hein, c'est cool. Hein. Peut-être qu'on continuera demain. Peut-être qu'on fera un peu de PHP, tchin, pour changer les idées. Des contributions sur PHP CS Fixer, ça fait longtemps que j'ai pas touché à ce truc. A voir. Personne n'a su m'orienter sur mon Wizzy Wizzy collaboratif. Ouais, j'ai un vague souvenir de ça. Je crois que j'étais passé ton stream quand t'en parlais. Pas évident en même temps, ce genre de choses. Soit c'est les gros comptes, la Google qui font ça, soit c'est des petits trucs pas forcément ouf. Il y a rarement des besoins comme ça quand même, je trouve. Bon, bah nickel, messieurs dames, 13h20.
La madame qui est passée tout à l'heure pour me dire qu'elle avait faim. Moi aussi j'ai faim. On va s'arrêter là. Ne bougez pas, je trouve quelqu'un pour la suite, évidemment. Évidemment. Comme d'habitude. Alors, on a quoi de bon en dev pour ce midi ? Ah, pour ce midi. Pour ce midi de 13h20. Ils sont là. Je vous envoie la boîte, tiens. Allez. Ça fait longtemps. Du coup, pour le moment, c'est Trix. Celui de Ruby. Trix. Je peux le dodge, j'irai voir après. Allez, messieurs, dames, je vais vous envoyer chez... Wow. Attendrai que son du truc. C'est notre ami DevGirl. DevGirl qui fait du Clash of Code. Qui est un petit jeu en ligne auquel vous pouvez participer. Et vous devez faire des algorithmes pour répondre à une problématique le plus rapidement possible. Et aussi d'autres critères. Enfin voilà, si vous avez envie de jouer un petit peu avec du dev, oui, parce qu'on peut jouer en faisant du dev. Voilà, c'est un jeu. Voilà. C'est... Ouais. Ouais, on est bizarre, je sais. Mais bon, voilà, on kiffe, hein. Bon. Je vous envoie là-bas. N'hésitez pas à faire un petit coucou pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Si vous ne connaissez pas... cette belle personne, cette streamer belge de développement, et que son contenu vous plaît, évidemment, lâchez un follow, n'hésitez pas, et s'il vous plaît, soyez gentil, évidemment, hein, mais bon, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Bon non, vous êtes merveilleux, vous êtes toujours gentil. Allez, moi je vous retrouve cet après-midi, entre 14 et 15, je pense, pour reprendre notre colonie sur Rimworld. Merci pour avoir suivi en cette fin de matinée, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, et je vous dis à bientôt, à tout à l'heure. J'ai faim, j'ai pu parler, c'est dingue. Je vous fais des bisous. Allez, ciao.